Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis technicien de maintenance. Être technicien de maintenance, c'est avant tout trois objectifs. Prévenir, maintenir et améliorer tout ce qui va être les systèmes d'exploitation dans l'entreprise. En fait, c'est simple, la maintenance, on est vraiment lié aux machines, on est vraiment sur l'industriel. On est amené à travailler sur n'importe quel type de machine, en fait. Ça peut être autant de l'électrique que de l'hydraulique, du pneumatique. C'est assez complet, en fait, la compétence de technicien. On n'a vraiment aucune journée qui se ressemble, dans le sens où on est un peu lié par l'imprévu. Ça veut dire qu'on va arriver un matin, on va directement devoir aller travailler sur une panne qui est apparue 10 minutes avant. Comme on peut avoir un petit peu de temps pour justement faire un peu de préventif ou de l'amélioratif pour améliorer les machines justement. Alors les qualités requises d'un technicien, ça va être la disponibilité, l'organisation et surtout la curiosité pour aller chercher les pannes qui sont souvent bien cachées. Moi, ce que j'aime de mon métier, c'est se sentir utile en fait. Nous, on est là pour régler les problèmes des autres en fait et je trouve ça très gratifiant pour nous-mêmes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par un bac pro en alternance de MEI pour la maintenance. Suivi d'un BTS où en fait je suis arrivé ici en maintenance avant de me faire embaucher en CDI tout simplement ici. Pour moi, l'alternance c'est quelque chose quand même d'assez primordial parce que aujourd'hui on nous demande beaucoup d'expérience en entreprise et l'alternance ça permet de lier le travail, donc gagner de l'expérience, gagner de l'argent. Quand t'es jeune, c'est toujours intéressant d'avoir un petit salaire à la fin du mois tout en ayant son diplôme à la fin de l'année. Il faut savoir, c'est que la maintenance, c'est un métier qui est vraiment très recherché. Aujourd'hui, on manque énormément de techniciens, donc c'est sûr que si on veut avoir un peu la sécurité du travail, c'est vrai que la maintenance, ça aide beaucoup, en fait, car on a tellement d'entreprises qui cherchent, donc c'est vrai que c'est quand même assez attrayant, quoi.